L'abonnement à la saison 2021-2022 comprend les 19 rencontres de championnat de France de la Ligue 1 Uber Eats organisées au stade de la Méno. Dans le cas où la situation sanitaire permet au club d'accueillir l'ensemble de la capacité de son stade et conformément à la législation en vigueur, tout spectateur âgé de plus de 11 ans ne sera autorisé à accéder au stade qu'après présentation d'un pass sanitaire valide issu soit d'un certificat officiel de test négatif, soit d'un certificat officiel de vaccination ou encore d'un certificat officiel d'immunité. Le certificat pourrait être présenté sous format numérique ou sous format papier. Dans le cas où l'accès au stade serait refusé pour des raisons d'invalidité du certificat sanitaire, aucun remboursement total ou partiel ne pourra être demandé. Dans le cas où les directives gouvernementales ou préfectorales imposeraient des restrictions sur le nombre de spectateurs admis au sein des stades, hors huis clos ou jauge partielle, tout abonné qui n'a pu se rendre au stade pour ces raisons sera remboursé à hauteur de 1/19 de la valeur de son abonnement. Si l'abonnement est payé en intégralité sur Internet par CB ou prélèvement comptant, au guichet du stade par prélèvement comptant, le remboursement des matchs concernés sera automatique à chaque début du mois suivant au plus tard. Si l'abonnement est payé en prélèvement 3 fois sans frais, sur Internet ou au guichet du stade, la première échéance sera encaissée à la fin du mois d'août 2021, la seconde à la fin du mois de novembre 2021 et la troisième échéance à la fin du mois de février 2022. Le remboursement des matchs concernés sera automatique à chaque début de mois suivant au plus tard. Les premiers remboursements interviendront fin septembre 2021. Si l'abonnement est souscrit au guichet Stade de la Méno par CB, espèce ou chèque, le remboursement sera effectué en 2 fois et au prorata des matchs restreints par les conditions d'accueil du public. D'abord au mois de janvier 2022, puis au mois de juin 2022. À très vite à la Méno.